Xerath, je trouve Xerath des Arcanes horrible. T'aimes bien ce skin? Je le trouve trop moche. Je le trouve trop moche. Vraiment. Je préfère tous les skins de Xerath sauf celui-là. Je préfère Runeborn Xerath à Xerath des Arcanes. Non, le meilleur c'est Darkstar. Darkstar il est exceptionnel. Darkstar c'est un truc de fou. Ok. Let's go. Bon, mon frère dit que je vois un bot niveau 6 sur Smash, mais moi je fais des trucs chelous, donc ça le trade. Oh, c'est un bâtard ton frère. Non, c'est un bâtard. Je suis sûr que tu vaux pas le niveau d'un bot level 6. Tu sais qu'au niveau d'un bot level 6, c'est très faible. Je pense que vu juste ton frère est toxique. Je pense que tu as un frère toxique. Parce que en fait un bot ça a des en fait ça a des patterns qui fait que quand tu les as compris, tu peux plus perdre. J'aurais peut-être dû prendre Ignite. Ouais. La scène? Pourquoi la scène marche pas? Comment ça, la scène marche pas? Comment ça? Ah, ok, j'ai. Ok. C'est gagné. Excusez-moi. Excusez-moi les bros. Excusez-moi les amis. Mais ouais, je pense que le mois de janvier, ça va être le mois du plaisir. Le mois de janvier, ça va être vraiment le mois du... Le mois du gaming, du plaisir, du voyage. Et février, on renfile le bleu de travail. On renfile le bleu de travail en février, je pense. Oh, moi, non, moi, les conseils de LOL, non, il faut pas m'écouter. Moi, je suis un gold de merde. Je joue juste au jeu par plaisir. Et aucun conseil à donner. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est flash mute all et être heureux. Et toi, je t'ai croisé en game hier dans la nuit, on a perdu, j'étais yonné, désolé de la performance. T'inquiète, mec. Ah oui, je me souviens de ce yonné. Non, en vrai, y'a aucun problème. Y'a aucun problème. Tu es le meilleur, mec. C'est pas pouf. Oh, les dégâts que je propose. En SP buveur de rêve, ça c'est un beau pseudo. Bordel. Ok, en mode dodge. Il a pété un plomb ce mec. C'est quoi ça? Post qui corps. Par contre la Nila, elle est sous... Elle est sous vodka tropico, hein. Oh, y'a rien. Oh, y'a rien dans cette botlane. Y'a rien dans cette botlane. Déjà perdu, hein. Putain, tu m'honneur, c'est terminé, hein.
la lane push pour eux, ils vont freeze ou... On trouve la semaine prochaine, je pense, hein. Déjà perdu, hein. Yann Squill. Oh, je pense qu'on FF, hein. Après, il y a Nasus de Skyheart en face, quoi. Zac. Vous trouvez pas que Zac, eh bah, ça donne faim. On dirait de la gelée à la pomme. Genre, si on pouvait manger un champion, moi, je pense que je mangerais Zac. Ah, c'est une question que je me posais. Je pas. En SP, donc. Je pas qu'il se gobe, genre. Vous pouvez pas gober Zac, genre. C'est pas la notion du plaisir, je pense. Ciao. Yop, toujours une bonne idée TFT. Ouais. Bon, je vais me setup ça un jour. Hein. Oh, on va setup une petite découverte de TFT. Mais... Je peux pas suivre. Vous êtes trop long. Vous êtes trop long. Vous êtes trop long. Quoi? Non mais c'est un truc de fou, c'est la perspective. C'est la perspective. Attendez, mais c'est la perspective, non? Je suis pas fait perspectivette par le jeu. Je prends un peu d'XP. Un peu d'XP, ça fait toujours plaisir. Je suis fait... Enfin, je me suis fait perspectivette par le jeu en vrai. Non? Okay. Bah désolé. Hein. Désolé d'exister. Hein. Tellement pressé que la LFL start. Est-ce que ça va être cool à regarder? Je trouve que cette équipe K-Corp, elle donne trop envie de la suivre. Je trouve qu'elle donne limite plus envie. Même si c'était incroyable Reckless. Genre je trouve que le fait qu'il y ait une saison en demi-teinte et tout, ça donne trop envie d'avoir l'aspect comeback. Comment ils vont réagir, ça donne des vibes à l'ancienne. Très bien. Oh les dégâts! J'ai tout raté, je joue n'importe comment. Ok attends, l'exo c'est clutch. J'allais dormir, hein. J'ai joué à Smash Bros, je pense. J'ai joué à Smash Bros, je pense. Mais Kaori, pour l'avoir rencontré... il est trop marrant, et il est... Par contre, j'ai rarement vu quelqu'un autant aimer League of Legends. Genre, au loco, il était encore là, genre, tellement tard. Il était là si tard, si motivé et tout, c'est un truc de fou. Ça m'a trop surpris. Vraiment, le bug est addict au jeu. Oh, elle a raté le glow. Fait mal à dire, mais la K-Corp avec Reckless, c'était pour vendre des maillots et faire monter la hype et la légitimité pour monter en LEC et rien d'autre. Oh, t'es trop résultat oriented. C'est faux. Il y avait quand même, même si oui, il y avait une dimension au-delà, mais il y avait aussi une dimension sportive, et c'est se mentir de penser qu'il n'y avait pas de dimension sportive. Juste que t'as lu Twitter et du coup tu dis ça, mais bon, il y a eu quand même une win en EU Master, et c'est juste que la K-Corp a tellement des standards très élevés. Quand tu lis les gens sur Twitter, on dirait que la K-Corp a fait un split catastrophique. Alors que
ça reste quand même la seule équipe à avoir gagné The U Master, la seule équipe de LFL depuis genre 2 ans. C'est quand même fort quoi. Et... à t'entendre, c'était genre le pire choix sportif. T'as trop mal contre Lucas. Oh, c'est pas si fort en plus. Hein. C'est bien, mais... juste respecter Lucas, quoi. C'est un perso qu'il faut respecter. Faut pas faire n'importe quoi contre Lucas. Si, si. Au revoir à tous. J'ai eu besoin de personne. J'ai eu besoin de personne. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais je suis level 7. Ça. Bon pour les plates. Oh, les skis bien. Je joue Xerath, c'est un personnage qui tire de très loin. Il est très souriant. Oh, les dégâts. Tout raté. Pas de chance. Par contre, cette nuit-là, y'a rien dans cette nuit-là. Ouais, y'a rien dans cette nuit-là. Y'a ces joueurs Smash, j'y pense. Est-ce que tu verrais la K-Corp LOL recruter un Diamant 1 ou un Master? Non. Tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Syncroft? Non, mais Syncroft a été Tchal. Il a déjà été Tchal, tu vois. Moi, j'ai jamais été Tchal sur Smash. Et je le serai jamais, en vrai. Bah, attends. Elle est bien, cette game. En tant que content creator, je rapporterai rien. Hein. Je rapporterai rien à la K-Corp en tant que content creator. En fait, faut vraiment comprendre que la content être content creator dans une équipe, c'est quelque chose qui ferait perdre beaucoup, enfin qui fait perdre beaucoup d'argent si le content creator se met pas à 1000%. J'ai voulu pré-shot la Valkyrie, j'ai raté. La petite Mila. Arrête de DM des Gadji. Bah, c'est sa corps là. Je répondais à 5h pour un truc. Je pense que je vais le pécho. Ah ouais, belle gadget juste d'accord. Et là, je suis bien fed. Hein. Oh lolo, je suis bien fed. Pas trop posé droit par contre, parce que j'étais trop concentré sur le fait de faire des damages. Oh non, encore qui a tué mid. Oh non, il va se plaindre. Il va se plaindre du fait que Corki a roam.
Oh, il a un bleu. Il a un bleu bleu. Bleu. J'ai esquivé. Vers la gauche. C'était un pré-shot. Très suspect. Ah, j'ai un rendez-vous chez le médecin en plus demain. Lui. Ok. Ok. Je fais des bons damages. C'est mal, hein. Oh, elle a plus de flash. Oh, si merde, elle m'a sauvé de zinzin. Elle m'a sauvé de zinzin. Je pense que j'ai l'assist. J'ai l'assist sur. Ah non. Quoi? Ouais. J'aurais mérité. Putain, il va te dire que t'as le syndrome de l'énorme bite. Ah ouais. Ah ouais. Ça va, et où? Et grand respect, mec. Hein. Toujours plaisir. Hein. C'est toujours plaisir de t'entendre, mais... Trop relou ce syndrome, en vrai. Pas grave, hein. On vit avec. Hein. Je dors debout, là. Dors debout. Dors debout. Les amis, je me tâte pour l'hôtel au Genesis, là. Je me tâte à prendre un hôtel de zinzin, mais je me dis, prendre un hôtel de zinzin s'il n'y a aucun autre joueur français qui est dans cet hôtel de zinzin, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose d'être... Est-ce que vaut mieux être seul dans un hôtel de zinzin? Ou est-ce que vaut mieux être... Je sais pas. Moi, pour moi, vaut mieux être dans un hôtel moins bien, mais avec les copains. Que être dans un hôtel de fou, tout seul. Ouais, je pense que c'est le. Ouais, je pense que c'est avec les copains. Hein. Je pense. En fait, je vais être seul, mais je me dis que si je prends un hôtel de fou, je vais toujours être. En fait, je vais toujours être avec les autres. Peut-être y aller là. Hein. En fait, là on peut prendre le 2v2, je pense. Hein. C'est mal Corki, mais. Ah, c'est Ward. Putain, Ward. FMQ. Je vais toucher un spell un jour. Ah, c'est ça, hein. T'es tout seul, tu vas plus vite. À plusieurs, tu vas plus loin. Je viserai le sommet quoi qu'ils disent, quitte à ce que je ne vois plus rien. Ah, touche. Ne touche pas. Hop, les petits mages. Il dégueule, hein. J'ai de la pression, là, hein. Pour pas Luden. Tu vas seulement pour Genesis ou tu vas faire deux spills touristes? Non, j'y vais seulement pour Genesis en vrai. Après,
Je sais qu'il y a moyen que je me perde un peu dans les rues et surtout qu'en fait ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé. En fait, depuis le streaming, à chaque fois que je vais à un endroit, c'est tout le temps pour un objectif et tout, et jamais pour me poser. Et... Oula, je pense que le premier jour, je vais juste me poser, essayer d'aller manger des trucs sympas et... Y'a quoi de bien à manger aux États-Unis? En vrai, y a la bouffe mexicaine, elle doit être bien là-bas. Y'a un côté, surtout vers la Californie, y'a un gros côté d'immigration mexicaine, il doit y avoir de la... Il doit y avoir de la bouffe stylée, je pense. Ok. Oh, j'ai raté. Il est mort, ce Zach. Je ne parle pas de Zach Nani, parce que j'espère pas que Zach meurt, parce qu'il est trop dans la vie. Okay. Et Diana. Oh, je l'ai pas vu, lui. C'est normal, mec. Je l'ai pas vu. Oh, le Nasus de Skyheart. Mais attends, mais le Nasus de Sky. Wow. Wow, le Nasus de Skyheart. En vrai, on n'a pas grand chose pour le tuer. Hein. Si Nila est pas là. Ah, il commence à être toxique, il faut faire la technique particulière du my bad into... Hop là. Technique parfaite. C'est une technique de fou, ça. Oh. Oh. Bien, voilà quelqu'un. Bon, j'ai du stuff là. Ça commence à faire mal. Trop mal. Trop mal ce mec. Ça fait mal à ce point, Corcou. Par contre, c'est moi ou y'a rien dans cette nid là? Je sais pas si je suis de mauvaise foi. J'ai l'impression que dans cette nid là y'a pas grand chose quoi. Oh, ce Nasus. Combien de spells? Enfin, combien de... 500 buveuses à 21 minutes, c'est pas un truc de fou, non? Quand je regarde les streams de Skyheart, il en a plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ok. Ok. Pas mal. Pas mal. Empêche d'avancer, mais bon. J'ai peur quand même ce Nasus. Objectif de rank avant la fin de la saison. Franchement, avec mon compte, je pense que si je dépasse le gold, c'est déjà une dinguerie. Je fais plus 17 en silver, j'ai fait 9-1 dans mes games de placement. Je pense que mon compte est vraiment cursed. Le reset MMR a l'air d'être nul à chier. Le reset MMR de cette saison... On a pris la tour, faudra aller top. Pour pressure Nashor en vrai. Je pense. Attends, est-ce que je fais des dégâts? Pas trop. Ah, je suis mort là, c'est chiant, non? Ok, Nasu. Oh, les dégâts sont bons. Hein. Les dégâts sont bons, mais le problème c'est que... Je me suis fait catch.
Et Nila est jamais là. Et Nila quoi. Alors bref. Nila elle est pas... elle est pas dans le mood quoi. Pas dans... Oh. Ah mais ils FF. Mais pourquoi ils FF? Ah ouais. Bah League of Legends. Mais la game était tellement jamais perdue. Mais la game était tellement jamais perdue. Ah ouais. Il y avait 21-22. C'est hyper serré. Ah ouais, ils ont tilté quoi. Oh la Nila. Waouh. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. La game était tellement gagnée. Je sais pas. Pas de chance. Pas de chance, parce qu'en plus, enfin, je sais pas, Varus était fed, Kana était bien, Kayle avait pas mal de stuff. Juste on a pris un fight de merde quoi. On a pris vraiment un fight de merde. Bon, je me fais une dernière game. Oh, est-ce que je fais la game du tilt? Oh là, je fais la game du tilt et je vais jouer à Smash. Oh là là, je fais la game du tilt. Oh, je vais top, c'est la game du tilt. Oh là 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 là. Oh c'est bon, c'est bon. Il y a eu un FF. Là c'est la game du tilt. C'est imperdable. Bah lol ça me détend. Oh non mais j'aime bien hein. Oh, franchement. On perd tous des games hein. On perd tous des games. Et en vrai j'ai vraiment pas bien joué donc. Donc il y a R. Musique exceptionnelle. Musique exceptionnelle. Ça, c'est des bâtards parce que les gens sur Twitter ils se moquent de Maxime Biaggi qui s'est trompé dans les 12 coups de midi et qui a dit qu'il s'est trompé de réponse. Mais moi je vous jure, vous savez c'est quoi la dinguerie que les quiz peuvent faire? Pour ceux qui ont regardé Popcorn, vous avez vu Rat de Star dans Popcorn. Vous vous rendez compte que avec le stress, j'ai réussi à ne pas trouver Denzel Washington. Je n'ai pas reconnu la tête de Denzel Washington alors que 5 minutes avant la séquence, je chantais à la Denzel de Ruff. Je disais à la Denzel, je chantais ça, je pensais à Denzel Washington. Genre vraiment, je pensais à Denzel Washington et j'ai réussi à pas trouver Denzel. Je vous jure, le stress, c'est une dinguerie, le stress, ça fait faire n'importe quoi. C'est trop trop dur. Ok mesdames et messieurs, je sais ce que je vais jouer. Préparez-vous. Préparez-vous, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous êtes clairement pas prêts. Indice. Je vous mets un indice.
mode samouraï. Wild FF. FF, FF. FF. Yone est ban et il a piqué Yasuo. En mode je pique soit Yone soit Yasuo, j'ai trop les nerfs. Oh, je peux pas être heureux. Je peux pas être heureux. Terminé, frère. C'est terminé. Malphite, mais je vais pas jouer Malphite. Je vais pas jouer Malphite. Qu'est-ce que je peux jouer top? Oh, en mode Sakor? Oh là là, c'est ma Riven. Oh là là, c'est ma Riven. Oh Seigneur. Oh Seigneur, c'est ma Riven. Oh là là, c'est ma Riven. Oh là là, c'est ma Riven. Oh mais je suis contre Cassante, je suis pas contre Yasuo. FF. Terminé. C'est terminé. C'est terminé. Non mais vous allez voir. Vous allez voir ma Riven. J'ai regardé cette vidéo. Hein. En plus, je suis en manque de sucre, donc je dois me faire un double Kinder Bueno. Salut à tous, c'est Skyhard pour un nouveau guide LOL de A à Z pour Eclipsa.com. Cette fois, on va traiter de Riven. On avait fait les parties basiques, donc les techniques un petit peu usuelles. Maintenant, on va s'intéresser aux techniques avancées, donc évidemment plus difficiles à maîtriser, mais dont le résultat sera encore plus redoutable. On enchaîne. Dans la première partie, on va traiter de l'ultime de Riven, qui est à la fois un stéroïde de dégâts, mais aussi un actif qui n'est autre qu'un finisher. Donc un finisher, c'est un sort qu'il faut mettre à la fin lorsque l'adversaire a peu de points de vie. Mais évidemment, l'adversaire, lorsqu'il a peu de points de vie, il va avoir tendance à stresser, donc à vouloir peut-être utiliser son flash pour s'en sortir ou pour s'enfuir. Mais c'est là tout l'intérêt justement de l'ultime, vous allez pouvoir bait le flash de l'adversaire. Imaginons, vous mettez un adversaire, je sais pas, à 20% de points de vie. Vous savez que vous avez assez de dégâts pour le tuer avec l'ultime, mais attendez, puisque l'adversaire risque d'avoir un coup de stress, flashé, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le finir avec l'ultime. Pourquoi? Parce que le cône de l'ultime est très étroit au début, mais très large à la fin, et la portée de l'ultime est supérieure à celle du flash. Donc, lorsque l'adversaire flash out, vous êtes sûr de récupérer le kill, sauf s'il est très rapide sur un deuxième dash. Mais c'est très intéressant donc de temporiser un petit peu, d'essayer de gratter encore un flash en plus du kill. Ça permet donc d'avoir encore plus d'avance sur la lane, et c'est d'autant plus efficace. Magnifique. On en parlait juste avant, mais l'actif de Riven, donc le finisher, doit être... Donc là, vous pensez, après avoir regardé cette vidéo, je peux perdre la game, genre. C'est une dinguerie de penser ça. Hein. Je ne sais pas comment c'est possible de perdre cette game. Par contre, je comprends rien à Cassante, donc c'est perdu, mais vas-y. Non mais oui, c'est vrai qu'il était en costard, il me met très bien. Vous allez voir. Comment on joue contre Cassante? Genre, il est fort quand le perso? Ah ouais, à ce point? Ah ouais, c'est à ce point fort? Ah bah, perdu. Oh, il y a du flow le perso. Ok, je vais faire un bluff comme quoi je suis un main top. Un bluff, genre je fais grave des clics. Genre grave des clics. Et là, boum. Boum, je trade. Excellent trade. Hop là. Ok. Ok, petit flash. Flash exceptionnel. En mode trade.
Et boum, en mode flash out. On prend l'information. On ping le flash, hein. On ping ce flash. Merde, j'ai pas assez regardé la vidéo. J'ai pas assez regardé la vidéo, je vous jure. J'ai pas assez regardé la vidéo. Chiche. J'ai assez regardé la vidéo. Oh là là, en mode Skyheart, hein. C'est bon. Et boum. Même pas de bot, j'en ai rien à foutre. Eh. Eh, en vrai, la Riven. Je vous jure, hein. Je la mets à un bon prochain bac, je pense. Attends, il arrive en mode boule. Il a plus de flash, hein. Comme dirait Sleepix, il a plus de flash, le poulet. Il a plus de flash, le poulet, hein. Le poulet. Ça se perso, frère. Plus de flash, le poulet, hein. Hop là. GG, poulet. En mode Sleepix. Pour le farming sous tour. Ok. Hop là, le trade. Rock Conqueror. Oula, bizarre. Ça, il va push. Oh, dès que je passe 6. C'est quoi l'ulti de Cassanté? Je sais pas ce que c'est. Ah. Oh, il a 2 HP. Oh, il a 2 HP. En vrai, c'est ok, hein. Ça me donne un free reset. On a vu Yasuo. Oh, Yasuo qui couvre bien, parce que sinon je l'aurais dive. Je fais Gordrinker en 1. Gordrinker, non? Ouais. Je fais bot, je pense. Je pense que je fais des lucidités, en vrai. Lucidité, je fais même pas de tabi, j'en ai rien à foutre. Les petites autos.
poteau. Dans le ciel et tous. Incroyable. Boss champion. C'est possible de perdre avec ce champion. En plus, il a fait Tabi. Je suis en 2-0 et... Ok. Vous êtes prêts pour le combo ou pas? Ça va être mécaniquement exceptionnel. Bah ok hein. Et du coup lui il était en 0-2 c'est ça? Bah c'est ça. Oh, j'aurais dû prendre Tiamat pour farm, ouais ouais c'est vrai. Au début il était en 0-2, il prend full plate, ok. Après c'est vrai qu'il y avait 10 en vrai, ouais. Quand même 10 en vrai je pense que je gagnais. Oh non, pas le double kill. Mais du coup là c'est terminé, je le prends plus jamais en fight. Je le prends plus jamais en fight. Je sais pas si je max le E ou le Z en deuxième. OMG Vex. Oh il a la gemme. C'est long le cooldown de son ulti. Il commence à être déjà bien tanky. Hein. Il est bien tanky là. Hein. Ok. Le trade est ok. Et Nunuz. Oh. Et Cholin. Ouais. Je voulais juste... je voulais juste trade parce que je pense qu'on tradait pas si je l'avais pas. Si je faisais pas ça. Donc ça va. Ouais, en fait c'était... C'est chaud. En fait j'ai l'impression que le K-Santé ça counter un peu Riven en vrai. C'est trop dur de lui mettre les 3 hits. Oh. 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 Et ça va être joué en compétitif K-Santé? Genre on va en voir On va voir le K-Santé de Cabo. Toi normal mec. Boss champion. Boss champion. C'est bon, tu veux quoi d'autre? C'est la chute du coup. Il est mort. Ah non, il a un dash, c'est vrai.
Moi je suis cuit, j'aurais peut-être dû me barrer direct, mais. Moi j'ai une assist. Putain, je me fais camper en plus. Je me fais camper quoi. Déjà son champion est broken. En plus je me fais camper, je me fais l'assist. Oh la jungle dit. La jungle diff plus chat. Ah c'est dommage. Oh y'a plus qu'une plate quoi. Y'a plus qu'une plate au top. C'est dommage. C'est dommage parce que là, c'est un peu la merde, là. Putain, j'ai trop bien joué, je l'ai solo kill et tout. Et j'ai l'impression que là, je perds en V1. Oh, c'est là, toi. Ouais, wow, les dégâts. Heureusement que je te suis. Ah bah oui, d'accord, bah. Qu'est-ce que je lui ai fait? Oh, c'est une dingue, qu'est-ce que je lui ai fait? Je vais rester parce que tant pis. Je vais rester parce que je veux tenter de l'outplay encore plus. Oh il. Oh dommage, j'ai voulu être heureux, j'en ai eu rien à foutre. J'en ai eu rien à foutre, excusez-moi, j'étais en colère, il m'avait mal parlé, je voulais lui montrer mais. En fait je me disais que je pouvais le tuer mais j'avais oublié qu'il avait ça. J'ai eu 0 sur 20. J'ai eu 0 sur 20 mais. Mais qu'à santé, c'est pas fun, hein. Je vais perdre ma ban ce truc. Je veux plus jamais le voir. Je veux plus jamais le voir, ce perso. Je veux plus le voir dans mes parties. Je veux plus jamais le voir dans mes parties de jeu, ce mec. Non, j'ai pas joué à Outer Wilds. Trop peur que mon expérience elle soit un peu ruinée par le chat. En fait, il y a tellement de gens qui m'ont dit que Outer Wilds en live c'était très dur. Et même aussi, le jeu est long. Du coup, je me dis, est-ce que faut pas que je me force à le finir? Bon, si on doit faire 20 heures de live en emote only. On se découvre bien Isaac en stream. Je pense que Isaac c'est beaucoup plus facile à découvrir en stream parce que je l'ai déjà fait que Outer Wilds. J'ai déjà fait moi. T'as déjà joué à Pikmin? Le problème c'est que je déteste Olimar, donc c'est dur. Je vais avoir envie de me suicider en boucle dans le jeu. Oh c'est... Vraiment une dinguerie en vrai. C'est vraiment une dinguerie. Il est intuable. Intuable perso. En plus là il a Jack Shaw, ouais. Et vraiment c'est fini là. Terminé, c'est une fin de partie. Ah c'est dommage parce que j'avais bien joué mon early mais j'ai eu du mal. En fait j'aurais peut-être dû jouer plus safe en fait. Ils peuvent me dive là? Oh, j'ai même pas mis Itayasu. J'aurais dû mettre une Ignite Itayasu. Oh ok. Ok, on a Ace. Enfin, dommage que j'ai pas pris le kill sur l'autre.
Par contre, ce Nunu, ça a pas l'air d'être la boule qui roule le plus loin. C'est pas une boule qui roule très loin, ce... Merde. Ok. Oh, tu es malaisant. Est-ce que je peux le tuer lui? Je n'aurais jamais. Il a 2600 HP et 180 d'armure. Les tanks. Les tanks. Je pense que même avec Gore Drinker. Même avec Gore Drinker, je le tue pas. Attends, je veux voir un trade sur lui, ce que ça donne. Oh, waouh. Bravo, bravo. Bravo à tous. Oh. Bah super. Oh, j'ai même pas eu le temps. En fait j'étais en mode il peut pas multi, mais il peut multi comme ça. Trop fort. Trop fort ce truc. Il peut perdre une tellement grosse wave. Tuez-le. Bravo à tous. Après il met grave DCS. En fait, je me suis fait turbo camper, je m'attendais pas à ce qu'il me campe autant. Genre, Elise est venue de ouf. Genre, Elise est venue deux fois, il y a Yasuo qui m'a tué top. Genre, je me suis fait vraiment turbo camps. Oh merde, l'Hérald. Oh, que j'aimais faire foutre. Ouais, j'ai pas eu le temps. En vrai, là, j'avais pas trop de. J'aurais peut-être dû aller au mid pour le setup. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir l'Hérald en vrai. Et moi, j'ai fini Pokémon. C'est rare que j'ai aussi peu de farm. J'ai tellement pas pu farm. Oula, du fait que j'en ai raté, mais. Ok. De la thune. De la thune. Hop. De la thune. Laisse-moi tranquille, mec. Laisse-moi tranquille, mec. Je flash? Je pense que j'ai pas besoin de flash en vrai. Laisse-moi tranquille. Oh, les 1000 goldes. Oh, il a très bon flash out. Il a flash, comment il a encore son flash. C'est Black Cleaver là, hein. C'est même pas Hydro Vorace, hein. Ah ouais, j'aurais peut-être du Gore Drinker, c'est vrai. Mais... Oh, il a encore son flash.
Ok. Et le Nunu ? Et boum. Et boum. Ah, c'est vrai que je dois faire prendre la cape solaire comme ça, il sera gros. Enfin, ce Yasuo. Yasuo, il va faire très très mal. Hein. J'ai fait 9-1 dans mes placements avec lui. Pas eu le temps de. Oh, la game, elle est si dure. Elle est si dure cette game. Je commençais la game en 2-0. Enfin, moment, t'es en 2-0. T'es en 2-0 sur LoL, ta vie est trop bien quand tu commences top. Putain, je vous jure, on va jouer qu'à santé dans notre vie. Hein. Trop bien comme perso. Je pense que c'est le play, hein. C'est naze, ouais, mais je pense que c'est naze à Oelo. Je pense que ça doit être naze à Oelo. Mais à Pislo Oelo, je sais pas si c'est naze, hein. Bon, j'ai Kiriana, comment elle va? Ouais, c'est perdu, on va aller sur Smash. Hein. J'ai reconnu ça. Hein. J'ai reconnu le play, c'est le Smash avant de se toucher ça. Oh. Wow, il a QSS. Il a QSS mon stun. Ah ouais, l'odeur. Ah ouais. Il veut rien laisser au hasard lui. Oh, il veut rien laisser au hasard ce mec. En plus leur compo elle est trop bien, ils ont de l'AD, ils ont de l'AP, ils ont du tank, enfin genre c'est... Genre c'est dur. Vas-y Vendita. Oh je te jure qu'on va smash après hein. Non mais regarde ce truc. Regarde ce truc. J'ai même pas ulti en fait, je voulais pas ulti direct mais... Oh vas-y regarde, rien que pour le fight. Rien que pour le fight. Pour le fight c'est exceptionnel. Pas pitié. Allez Nunu. Ah, ah la vie est trop douloureuse. Ah, ah.
Trop dur de jouer top. Je prends top laner. J'aurais du gore drinker. J'avais gore drink, c'était imperdable. Je vous jure, c'est pas mérité ce 5-10. Vraiment. Pas mérité. Début de game était exceptionnel. J'étais là. Ok. Voilà. Il joue bien en face. Alors là, il meurt ce vite. Il meurt. Ok. Ok. Ça se comeback. Se comeback cette game. What's that? Oh, mais il a encore plus ce mari de vie pour les caméras, mec. Ok. Il va même pas. Hop là, je bait. Tryharder. GG à tous. C'était dur en vrai. C'était dur. Putain, j'ai bien joué le début de la game en plus. J'étais tellement honnête dans ce début de game. J'ai été solo kill. Je l'ai solo kill deux fois. Non, j'ai solo kill une fois, ensuite l'ai tué. Non, c'était exceptionnel. Puis Silver 2, quoi. Dans Silver 2.